Mercredi 29 novembre 2023, au sein du siège de leur parti, les responsables et militants du parti Force Kori.Bénin émergent se sont réunis pour répondre à la déclaration de l'actuel président du parti Les Démocrates durant le tête-à-tête dont il a bénéficié chez le président Patrice Talon lundi dernier. Une déclaration extrêmement grave selon ses membres qui ne saurait les laisser indifférents. La FCBE dénie à M. Boni Yayi la capacité et le droit de se prononcer au nom de toute l'opposition béninoise. Nous mettons en garde le président du parti Les Démocrates et sa clique de s'attaquer encore aux attributs de notre parti, la FCBE, sous peine de poursuite judiciaire. La FCBE reste ouverte pour discuter avec tous les partis qui se réclament de l'opposition dans le respect mutuel. Ils ont réaffirmé leur appartenance à l'opposition et invitent chaque Béninois au discernement courant cette période qui prévaut l'organisation des élections de 2026. On ne veut pas qu'il y ait d'affrontement dans notre pays. Nous voulons la paix, mais nous voulons une alternative crédible. Je crois que pour la paix de ce pays, il faudra que tous ceux qui sont de véritables patriotes nous rejoignent et qu'on ait un troisième groupe politique qui nous permettent de nous débarrasser des amis. Vous avez vu, c'est des amis. Mais qui sont capables de nous créer tous les problèmes à la longue. Dans le calme et la sérénité, ils ont conclu en rappelant la devise de leur formation politique, la paix.